Non, non, t'es mieux de pas envoyer de fleurs. Non. Mais André voudrait des dons en argent, des organismes. Michel, j'en peux plus. Je rêve tout le temps à Yannick. Toutes les nuits. Je suis plus capable. Ça doit être son esprit qui te parle. Tu penses? Certain. J'ai lu à quelque part que l'esprit des morts pouvait communiquer avec les vivants. Mais je comprends pas ce qu'il essaye de me dire. Ben là, j'ai un livre écœurant là-dessus. Ça s'appelle « La vie après la mort ». Je pourrais te le prêter. Stéphanie? Stéphanie, ton père veut te parler. Merci. Allô? Ça va-tu être bien long, son affaire? C'est frustrant de ne pas pouvoir téléphoner. On devrait avoir deux lignes. Qu'est-ce que t'as de si urgent à dire, là, Michel? Faudrait que je parle à Rebecca. Rebecca? Mais elle revient dans le décor ou quoi? Ben, on s'est vus hier, là, pis ça se peut qu'on reprenne. Oh, ben, non, non, pas mieux pour ça. Hey, salut! Salut! Pourquoi cette vitre-là? Ah, ça, c'est... On devait se faire une soirée de gars ici, justement avec Yannick. Là. Il avait pas la clé, fait que j'ai pété la vitre. C'est arrivé le même jour où Yannick est jamais venu. Ah. Vas-tu au salon cet après-midi? Ah, je sais pas. J'haïs ça, moi, ces affaires-là. Ah, je te comprends. Je me demande si la tombe va être fermée. Ça me passait peur, les morts. J'ai toujours l'impression qu'ils vont parler. Martin? As-tu fini? Ben là, la minute. Bonjour, Madame Girard. C'est moi qui viens pour louer. Ah, bonjour. Est-ce que ta mère arrive bientôt? Non. Pourquoi? Ben au téléphone, j'ai parlé à une Madame Sophie Bonnet-Jutras, moi. Ah, c'est moi? Le logement, c'est pour moi. Je vis pas avec mes parents. La chanceuse. Ben, Sophie, je suis désolée, mais je pourrais pas te louer. Pourquoi? Ben, t'as l'air d'une bonne petite fille, bien élevée, pis toute, mais... Je suis pas à l'aise. T'es trop jeune. Ben... Oh. Non, non, c'est une chambre que j'ai allouée, là. C'est pas une pension aussi. Va falloir que tu te fasses à manger tout seul. OK, c'est ça. Pense-y. Tiens, ma pinotte. Puis, t'as-tu pensé pour cet après-midi? T'as-tu que j'aille avec toi au salon funéraire? Quoi? Tu peux pas? Non, mais je veux savoir si toi, tu veux que j'aille avec toi. Ben oui, pourquoi tu me demandes ça? C'est parce que je suis pas sûr si tu tiens à moi, Émilie. Non, c'est vrai, quand Charlene est partie, là, t'aurais pu me demander de devenir ton coloc. Ben, je voulais pas que tu te sentes obligé, là. Je me serais pas senti obligé, Émilie. OK, ben, tu veux-tu devenir mon coloc? Non. Je sais pas si tu me le demandes sur ce ton-là. Oh, Bill, là! Qui est compliqué à matin, lui. Tu viens pas t'asseoir à côté de moi? J'ai le goût de me coller. Moi aussi, j'ai le goût de me coller. Et si on nous surprend, hein? Si Eliana arrivait, là? Elle mange jamais au restaurant à midi. Sophie, on est ensemble. On va pas gâcher ça. J'ai trouvé un moyen pour qu'on se voit plus souvent. Je me loue un appartement. Comme ça, tu vas pouvoir venir me voir tant que tu veux. Aïe, ça, c'est super. On va pouvoir être ensemble tout le temps. 7 jours par semaine. Mais là, j'aimerais pas exagérer non plus. Quoi? Ben, si je peux pas te voir plus souvent avec un appartement, je vais juste me trouver une pension dans une famille. Hey, moi, je fais ça pour être avec toi. Ah oui. Moi aussi, j'ai le goût d'être avec toi, Sophie. Hein? Tu sais comment je t'aime. Je peux pas me passer de toi. Mais... J'ai compris, je vais laisser faire. Mais non! C'est une super bonne idée.
C'est un appartement, là. C'est sûr qu'on va se voir plus souvent. Ouais. Combien de fois par semaine? Merci. Guillebeault? Bonjour. J'ai vu que vous avez des studios à louer. Est-ce que c'est possible de venir visiter aujourd'hui? Oui, oui, mais là, je suis au restaurant, mais je pourrais être aux immeubles dans 15 minutes. Est-ce que vous portez une chemise bleue avec une veste noire? Oui, d'accord. J'arrive. Sophie Bonajoutra. Guy. Guy Lebeau, c'est pas pour vous qu'Yannick travaille? Oui. C'est écœurant ce qui est arrivé. Hein? Toi, tu le connaissais bien? Oui. J'ai assez de peine. Je reste justement chez l'ancienne blonde de Yannick. Pauvre, ça doit être épouvantable. Mm. Pour l'appartement, j'aime autant mieux dire tout de suite que je suis pas majeure. Ah, oh, ben pas de problème. Du moins qu'il y a un adulte qui signe le bail, là. Ça pourrait marcher? Oh oui, j'ai juste à faire une enquête de crédit, puis... C'est mon père, il est médecin. Parfait. Mais j'aimerais ça le voir avant. Ça va être mon premier appartement, là. Je veux qu'il soit de mon goût. OK. Je t'aurais peut-être invité d'autres. Ouais, ben moi, à ta place, je me dépêcherais parce que c'est le dernier qui me reste, là, puis il risque de partir bien vite. C'est bien que tu me déranges pas, André. Je me préparais pour le salon, là. Penses-tu venir dès l'ouverture? Ah. Ben oui. Oui. Ça me soulage. Je me voyais pas là tout seul à affronter tout le monde. C'est... Je voudrais que ça soit déjà fini. Oui. Aimerais-tu que je reste avec toi pendant toute la durée du salon? Ça te dérangerait pas trop? T'as déjà Stéphanie? Ça me fait plaisir. Merci, Marie. Merci. Depuis que Yannick est... parti... ma vie est vide. J'ai personne de vraiment important sur qui compter. À part toi. Surtout que je viens de rompre avec Maryse. Oui, j'ai su ça. Je suis désolé, André. On était trop pareils, trop axés sur la discipline. Manqué de souplesse. Je faisais un bien meilleur couple avec toi. Oh! Oui? Oh. Ton côté bohème m'équilibrait. André! André, on chicanait tout le temps. Tu me reprochais toujours de ne pas être assez sévère. J'avais tort. J'avais un rendez-vous ce soir avec un nouveau copain, mais je vais annuler. Je vais passer la soirée au salon avec toi. Je veux te l'annoncer à personne. Dans le petit parc près du salon funéraire? OK. Moi, je suis prêt tout de suite. OK, à tout de suite. Bye, mon amour. C'est à ma cousine. Comment tu me trouves? Superbe. Est-ce que ta mère t'a vue? Ben non, c'est pour demain, pour l'enterrement. Ah, c'est pas mal flyé. C'est toujours joli de marier. Yannick m'a dit qu'il voulait me voir belle. En mariée. Te sens-tu bien? Ben oui, très très bien. Demain, l'âme de Yannick puis mon âme vont se marier. J'ai enfin compris que c'est ça qu'il essayait de me dire dans mes rêves. Tu m'excuses, là, mais il faut que j'y aille. Oh, Sophie. Quoi? Sophie, je me sens pas très bien. Stéphanie! Stéphanie, qu'est-ce que t'as? Stéphanie, va-t'en pas! Madame Couillard! Stéphanie! Salut. Salut. Michel, j'aimerais mieux qu'on soit pas trop collés, OK? Non.
vous embrasser quand même. Ouais. Pourquoi tu voulais me voir? Parce que c'est passé hier, il me semble normal. Puis je voulais savoir aussi si c'était vrai, la rumeur. Est-ce que t'as un nouveau job? Ouais. C'est le gars qui était avec toi hier au Bihar, c'est ça? Ouais. Jean-Sébastien. Tout un nom de têteux, hein? Qu'est-ce qu'il fait dans la ville? Y a-tu une auto? Il travaille-tu? Hey, arrête, Michel! Non, je veux juste savoir qu'est-ce qu'il y a de plus que moi. Hey, je suis tannée, OK? Laisse-moi partir. Ouais, je vais te laisser partir, mais tu vas me dire avant pourquoi tu joues à la gasse comme ça. Moi? Oui, toi. Hier, dans le parc, on se collait, tu me jouais d'un cheveu. T'avais pas l'air d'une fille qui sortait avec un Jean-Sébastien. Hier, Michel, t'étais triste, OK? Puis ça m'a touchée. Puis j'ai seulement voulu te consoler. Tu t'arranges toujours pour avoir raison, hein? Pas pour laisser Stéphanie dormir n'importe. Bon, mais moi, j'ai niaisé une demi-heure à t'attendre pour rien, puis tu le sais que j'aille ça attendre. Mais t'étais pas là, toi, t'es en train de revirer folle. Avec sa robe de mariée. Moi aussi, j'aurais aimé être avec toi. Toutes mes condoléances, Monsieur Dubuc. Merci, Sophie. Mes condoléances? Merci. Marie fait dire qu'elle va arriver plus tard. Stéphanie a failli perdre connaissance, elle avait pas mangé depuis hier soir. Le diabète, ça pardonne pas. Pauvre Stéphanie, elle est oubliée de manger, elle est tellement bouleversée. Pauvre Yannick. Il est trop magané pour que la tente soit ouverte. Domingo, ce que je voulais t'annoncer, c'est que j'ai eu un appartement. Hein? Oui. Hey, ça, c'est une bonne nouvelle. Je devrais avoir les clés tantôt. Tout de suite après le salon, je vais aller te le montrer. Ah, j'aurais aimé ça, Sophie, mais j'ai promis à Eliana que j'allais la chercher après le travail. Tu m'avais promis que tu serais plus souvent avec moi. Tu me l'avais promis. Je le sais. Je t'ai pas dit quand. Hey, tu m'annules assez souvent. Pour une fois. Tu peux pas l'annuler, elle. Excuse pour mon retard, André. Ça va. Juste de savoir que tu vas passer la soirée avec moi, ça m'aide. Je te remercie. Je t'en prie. Je t'en prie. Excuse-la. Ça va? Il est beau, hein? Oui. Mais oui, maman. Ça va mieux? Stéphanie? André te parle? Excuse-la, André, je... Ben, finalement, j'ai pas pu rejoindre Eliana. J'ai laissé un message, puis j'ai dit que je pourrais pas aller la chercher au travail parce qu'il fallait que je reste au salon. Ah, oh, parfait! Tu vas venir voir l'appartement? Ouais. Tu vas voir comment il est beau. Stéphanie, André souffre autant que toi, tu sais. Il peut bien souffrir tant qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?
T'es revenu? Me déranges-tu? Ben non. Parce que je peux repartir, si tu veux. Bill, arrête donc de faire ton gros nono, là. Je sais que je t'ai fait de la peine en te demandant pas de devenir mon coloc, mais là... Pourquoi tu veux pas de bord? Tu m'aimes plus, toi. Non, au contraire. Regarde Victor et Charline, là. Ils ont habité ensemble puis ça a pas fait, ils se sont laissés. Ben, je veux pas que ça nous arrive, ça. Nous autres, c'est pas pareil. Ça va bien, puis y a pas de raison pourquoi ça marcherait pas. Ah oui, ça va bien, mais on n'est pas rendu là. Hein? Oh. Non, non, ouais, dépêche, faut qu'on s'en aille au salon. Je prends ma tête, t'aurais pu te mettre des vrais souliers. Hey, maman, arrête. Tu me fais toujours honte en public. C'est un vrai drame, ce qui arrive. Oh. Toutes mes condoléances. Merci. Monsieur Dubuc, j'ai beaucoup de peine pour vous. Yannick, c'est un bon chum, puis je suis sincèrement désolé là, de ce qui est arrivé. Merci. Steph, je te regarde. On dirait qu'il manque quelqu'un à côté de toi. Ça fait bizarre. En tout cas, il y en a une qui s'en vient, là. Eliana. Hein? Moi, je l'ai rencontrée au centre, puis elle dit qu'elle change, puis elle s'en vient. Mais là, je vais aller la rejoindre, là. Écoute, elle peut pas venir ici. Sophie, je m'excuse pour l'appartement, on va s'en prendre, OK? Oui. Salut, Belle. Ouais. Toujours en amour avec Émilie, toi? Toujours, ça pourrait pas mieux marcher. Parfait. Et je vais juste... Ciao. Stéphanie? Oui? T'es qui le bois? Je t'ai reconnu parce que Yannick m'avait beaucoup parlé de toi. Il t'aimait beaucoup. Oui. C'est un maudit bon gars. Je l'aimais bien. Excusez-moi. Viens. Mon père a signé le bail. Puis ça, c'est un petit à-compte. Mais là, faut que tu t'en gardes une copie. Ah, oh, oui, merci. Ouais. Tiens. Là, ta clé. Merci beaucoup. Guy Lebeau, je te demanderai de respecter la mémoire de Yannick. Ce n'est ni le lieu ni le temps de faire des affaires. Surtout pas toi. Comment surtout pas moi? Tu me comprends. C'est en allant chez toi qu'Yannick s'est fait attaquer. Hey! Si tu cherches un coupable, regarde-toi donc. Si t'avais traité ton gars comme du monde, tu serais peut-être encore avec nous autres aujourd'hui. Sors d'ici! Guy va rester. C'est mon ami, puis je veux que tous mes amis restent avec moi. Pourquoi t'es venu ici? Tu fais ça pour me baver? Mais non, Michel. Au contraire. Tantôt, là, t'es parti trop vite, puis j'ai pas eu le temps de te dire que je voudrais qu'on reste amis. Tu comprends rien, Rebecca. Tu comprends rien. Moi, je t'aime. Puis si t'es pas ma blonde, ben, on a rien à faire ensemble. Nous deux, ça finit mal. C'est toi qui voulais que ça finisse. Ben, je vais y aller, moi. Mais ça patient encore. Hein. Je te dis que tu te laisses pas marcher sur le gros orteil, hein? Ah, tu sais, il bosse à l'école secondaire, là, mais il peut pas bosser partout quand même. Ouais, mais tu y as pas envoyé dire pareil. Tu trouves que je suis un peu fort, quoi? C'est son gars qui est mort, là. C'est un peu normal qu'il soit sur le gros nerf. Hein? Ouais, mais moi, c'est son petit ton pincé, là. Je suis pas capable.
C'est vrai que c'est quand même un peu heavy ce qui arrive, là. Monsieur Dubuc, je suis désolé pour ce qui est arrivé à votre fils. Mais je tiens à vous dire que c'est lui qui m'a supplié de donner du travail. C'est pas moi qui est allé le chercher. Je pensais pas à ce que je vous ai dit tantôt, là. Je suis sûr que vous l'aimiez, votre fils, puis vous feriez tout pour qu'il revienne. Excusez-moi, je voudrais dire que... Qu'est-ce que tu fais là, là? Je trouve ça bien beau que... de voir qu'on est capable de se parler, les vieux avec les jeunes. Puis je voudrais faire quelque chose pour que nos jeunes... pour vous autres, pour que vous soyez en sécurité. J'ouvre le spot. Oh. J'en viens pas. Moi, je pense que c'est l'esprit de Yannick qui a fait ça, là. Il s'occupe de nous, là, hein?